Eh bien bonjour tout le monde, ici K2ZMO, commandez vos commentaires pour vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo de l'aventure sur FF14. Quête principale cette fois, nous sommes d'un moment dans la cinquième partie et nous allons poursuivre notre investigation. Je rappelle que dans la partie précédente, nous avions remis une lettre particulière à Momodi qui devait nous en dire un peu plus. Oh! Les ténèbres qui menacent la couronne. Ça, ça annonce rien de bon. Passage, on marquerait les jumeaux qui partent. Vous n'avez pas parlé, mais c'est vrai que ces jumeaux sont importants dans l'aventure. Alors bien entendu, on ne sait pas encore qui ils sont. Moi, je sais très bien qui ils sont. Et vous verrez que... Enfin, vous verrez plus tard. Bon, pour l'instant, poursuivons notre quête. Alors, la question, où faut-il lui porter la lettre? Ah, à côté des alchimistes. Intéressant. Hop. Alors comme ça ils sont prêts à rendre la couronne. Oh, ça sent mauvais ce truc.
Ouais, je crois savoir. Alors, je vais juste voir où c'est. D'accord, c'est là où il y a une sorte de zone où il y a une sorte de fosse. On va y aller. Ah oui, je clique non, sinon on va pas y aller. Alors normalement, on va arriver à l'apogée et on va retrouver, spoil, notre cher Men in Black. Alors juste pour vous dire, puisque j'ai fait l'épopée pour les autres villes, grosso modo c'est à peu près le même scénario, à savoir que on fait quelques petits boulots, on arrive à un endroit où cet homme en noir fait apparaître un golem qui nous attaque. Il est surpris qu'on le détruise assez facilement. Et maintenant, on va se rendre à un endroit où il y aura un long combat. Donc j'ai bien fait d'arrêter la vidéo avant. Normalement, un combat qui va se dérouler en deux temps. Par contre, le coup du mec qui nous donne rendez-vous tout seul comme ça. Surtout qu'il est suspect pour l'instant. Je me demande ce que c'est. La bataille commence. Alors petite précision, il faut savoir que les troupes, les casques d'argent sont en fait des paladins. Donc comme d'hab, on va s'occuper des archers, d'autant qu'il y a certains ennemis sur les côtés qui sont inciblables. Donc le boss, on va le laisser pour l'instant. Alors, élémentaliste, il est où? Hop, les yeux volent.
Ah, il Allez. Apparemment, il n'y a pas d'autres éventuels. Il faut savoir que les combattants CAC ont un sort, j'ai oublié le nom, qui permet de se heal en cas d'urgence. C'est bon souffle, c'est son nom. Rien, j'ai retrouvé. Donc, normalement, on a éliminé tous les gêneurs. Ah, peut-être pas. Encore dedans. Tiens. Alors au début je pensais que c'était Monsieur L, pour ne pas citer, celui que nous rencontrera plus tard, mais apparemment c'est pas lui, c'est un autre. Comme disait l'autre, compte là-dessus et bois de l'eau. Alors nous allons faire un combat. Et le problème est marqué dans l'objectif. Le mage est marqué en premier alors que il faut, et c'est là absolument, neutraliser la gargouille en premier et laisser le mage masqué tranquille. Parce qu'au début, quand j'ai fait... en barde, enfin en marché pour être exact, parce que j'étais pas encore barde à ce moment là, ben j'avais commencé à attaquer le mage, parce que je me disais que le mage était vulnérable, alors que lui, vu que c'est un DPS CAC, en bougeant un peu je pouvais éviter ses coups. Et ben manque de peau, le problème c'est que le mage, ben il est trop puissant par rapport à nous, par rapport à moi à l'époque. Donc ici le but c'est de le massacrer lui en attendant que Sancred arrive. Et ensuite, on s'occupe du mage. D'ailleurs, je conseille de laisser Sancred tanker. Et voilà.
Voilà, le nom est donné, c'était un Assyrien. Un cristal des ténèbres qui vient de se briser. Je vous rassure, on en reparlera plus tard. Pas tout de suite, mais un petit peu plus tard. Bref. Donc maintenant, il nous demande de quoi? De retrouver Papa Chan au même endroit qu'avant. Donc, on y va. Matérialisation, faudra que je fasse aussi. Non, raté, attendez. Hop, faire ça comme ça. Et d'ailleurs, normalement, si, vu qu'en théorie, à ce moment-là, le début de l'épopée est à peu près le même scénario, c'est-à-dire que d'abord, vous avez une petite altercation où un personnage propre à la ville va vous rencontrer. Donc ici c'est Sancred. Pour les autres villes, ce sera un autre personnage qu'on rencontrera un peu plus tard. Ensuite on a une altercation un peu plus importante, on a un complot à découvrir. Donc l'altercation un peu plus importante, c'est là où l'Assien fait pop son golem. Et ensuite on a enfin cette altercation en deux temps. Première fois, un groupe qui veut s'en prendre à quelque chose d'important pour la ville, seconde fois l'Assien directement avec le fameux personnage qui nous aide. Ça se passe pareil, et normalement ici nous allons aller au QG et une personne importante va nous rejoindre. Personne importante pour la ville, et je peux déjà vous dire qui c'est. Je sens qu'on va avoir la, disons, la visite du général en question. Allez, on y va. Accepte. Même après la cinématique. Tiens, tiens. À chaque fois que son Altesse décide de sortir discrètement du palais, je me charge de la protéger. Se peut-il que la petite fille que nous avions vue, en fait, était une Lalafell, soit son Altesse? Et si effectivement, si elle était aussi désespérée vis-à-vis du vol de la couronne, on peut se dire qu'elle a voulu prier devant l'arbre du sultan. Son Altesse Nanamo Ulnamo, 17e sultane d'Ulda, suivante de Naltal
et protectrice du Tanalan. Dame Nanamo. Dame Nanamo. Gloire à la sultane. Gloire à la sultane. Que son règne soit éternel. Que son règne soit éternel. Tu es l'aventurière qui nous a rendu service? Tu mérites certainement nos éloges. Accepte ceci, en gage de reconnaissance. Roban? Oui, Votre Altesse. Assure-toi qu'elle soit conviée au banquet. À vos ordres, ma reine. Tu as bien servi Hulda, aventurière. Mon nom est Roban Haldin. Je suis au service de Dame Nanamo, et je fais partie du gouvernement huldien. La venue dans notre pays d'une femme compétente telle que toi est un don des dieux. Pour te remercier, Son Altesse t'invite à son prochain banquet. Quoi ? Quelle chance ! J'espère que tu nous honoreras de ta présence. Et je compte sur toi pour aider à nouveau la cité si le besoin s'en faisait sentir. Au revoir, et que les 12 veillent sur toi. Ouais, on a gagné un niveau. Donc maintenant, je peux vous le confirmer que la Lalafel que nous avions rencontrée au début près de l'arbre du sultan était bien en fait la sultane Nanamo, et son identité, c'est l'identité qu'elle utilise quand elle veut sortir incognito du palais. Vous avez sans doute reconnu les différentes personnes qui étaient derrière elle. Pardon. Quant au général. Roban, j'ai oublié son alias, le taureau d'Alamigo. Oui, il vient d'Alamigo. Et il s'est exilé ici, à Hulda, en même temps que les réfugiés. Sauf que, comme c'était un combattant gladiateur, il s'est illustré au Colisée. Et par la suite, ses exploits lui ont valu un rôle beaucoup plus important. Et il est le bras droit de la sultane. Et accessoirement, un allié de choix que nous aurons. Mais bon. Maintenant, il se sert d'avoir les boucles d'oreilles pour participer au banquet. Bien entendu. Allons-y. Donc vu que c'est des boucles d'oreilles, je présume qu'il va falloir aller à la guilde des orfèvres, récupérer l'objet, et bien entendu assister au banquet équipé de l'objet. Bien entendu, j'ai oublié de préciser que vu que Roban venait d'Alamigo, et que à Stormblood, on libère Alamigo, j'imagine que vous devinez ce qui risque de se passer. Bref, poursuivons la quête. On est encore loin de Dawnblood. Bon, alors. Ok. Ok, allez, c'est parti.
Coucou. C'est vrai que c'est un peu dommage que le texte ne change pas. On appartient nous dans la guilde. Nous pouvons dire ah mon apprenti. Dommage. Même si il y a quand même certaines quêtes, notamment au niveau des jobs, qui se modifient légèrement, hein, très légèrement, selon certaines classes qu'on a montées ou pas. Bon. Alors, on revient chez Momodi. Bien sûr. Oui. Non, c'est là. Alors, est-ce que j'ai obtenu un accessoire ? Voilà. Alors la suite. Très bien. Donc il faut qu'on s'équipe des boucles d'oreilles en question. Hop. Alors je vais pas sauvegarder la tenue puisque les boucles d'oreilles on les mettra de côté. C'est juste un item spécial pour cette occasion là. Et on va rencontrer, alors c'est quoi, c'est Bartholomew. Bref, direction le hall de la loi. Que ce sera le cas en fait dans chaque ville, les dirigeants, soit la sultane, que ce soit l'amiral ou l'oracle, ont des salles particulières, donc il faut parler à un PNJ particulier qui vous laissera pas rentrer, sauf quand le scénario vous dira que vous pourrez entrer. Alors je m'arrête un petit moment parce que là on a Jennings. Bon, petit spoil, ce sera le maître paladin pour la section 30-50. Mais je vous ai encore rien dit. Hein. Bonjour, j'ai été invité. Son Altesse, Dame Nanamo. Ma reine. Ne sois pas si cérémonieux. Nous remercions tous ceux présents ici pour avoir répondu à notre invitation. Nous avons convié aujourd'hui une aventurière qui a rendu un grand service à notre cité. Accueillez cette héroïne comme elle le mérite. Et maintenant, profitons de cette belle soirée. J'ignore si la politique uldienne t'est familière. Les sultanistes dont je suis désirent que la sultane soit à la tête du gouvernement. Ce n'est pas du goût des monétaristes, qui estiment que le pouvoir doit rester entre les mains des plus riches marchands de la ville. Les querelles permanentes entre ces deux parties occupent toute la scène politique. La cité doit faire face à des problèmes graves, comme l'arrivée en masse de réfugiés, les tribus barbares et les primordiaux. Ma reine affiche un visage serein, mais je sais que les soucis la rongent. Il nous faut absolument renforcer le pouvoir royal si nous voulons que notre pays connaisse un jour la paix.
Je te suis donc très reconnaissant d'avoir aidé Son Altesse. Nous avons définitivement besoin d'aventuriers comme toi. Qu'est-ce que c'est ? Cette brillance, c'est un cristal de la lumière. Ça signifie que tu as été en présence du cristal mère. Tu n'as jamais perdu conscience subitement, comme enivré par trop d'éther. Il ne peut s'agir que de la volonté du cristal. Il y a quelques années, des hommes et des femmes ont affronté courageusement des primordiaux qui menaçaient Eorzea. Ils ont aussi rejoint les grandes compagnies des cités pour combattre l'empire de Garlemald. Et ils ont participé à la terrible bataille de Cartenau en tant que membres de l'Alliance Eorzéenne. Mais personne ne les a revus depuis. Ils ont disparu sans laisser de traces. Tous ceux qui ont survécu se souviennent clairement que ces héros ont risqué leur vie pour nous. Nous savons qu'ils étaient présents. Mais chaque fois que nous tentons de nous rappeler leur nom, aucun son ne franchit nos lèvres. Chaque fois que nous essayons de nous remémorer leur visage, nous ne voyons que de vagues silhouettes entourées de lumière, comme si nous les regardions en contre-jour. À cause de cet étrange phénomène, les gens ont pris l'habitude d'appeler ces braves « guerriers de la lumière ». Ton histoire me rappelle celle de ces héros. Garde précieusement ce cristal. Il t'aidera peut-être à comprendre pourquoi Aydeline, le cristal mère, te l'a confié. J'ai le sentiment que tu deviendras plus qu'une simple aventurière. Après tout, tu possèdes l'écho. Immortel, positionnez-vous en avant. Il faut frapper comme l'éclair, rugir comme le tonnerre. Camarades Uldiens, montrez-leur votre rage de vaincre, pour notre gloire et notre salut. Nous sommes en sous-nombre du côté gauche. Déployons les barracudas. Que l'infanterie spéciale et le Maelstrom tiennent la place, coûte que coûte. Que le bataillon du loup assiste le bataillon de la vipère jaune. Les aventuriers prêtent assistance à notre pays dans la bataille qui nous oppose à l'Empire. Nous devons tout faire pour les sauver. Qu'y a-t-il, Khan et Senna ? Vous semblez troublés. Ce n'est rien. Ne vous laissez pas impressionner. Notre barrière magique ne cédera pas pour si peu. Que se passe-t-il là-bas ?
appelle les ronces sanglantes. M'entendez-vous? Répondez! Ah, bon sang! Corne de taureau! Répondez, mon sang! Ici, chien fou! Chien fou, est-ce vous, colonel Ryder? Ici Roban, corne de taureau. Vous êtes sain et sauf? Nous sommes encerclés par une mer de feu! Toute évacuation est impossible! Qu'est-ce que c'est que ce monstre énorme? Ah! Chien fou, qu'y a-t-il? Malédiction! Nous n'allons pas tenir longtemps! C'est la fin! Chien fou, répondez! Jacques, Clovisois, répondez-moi! Répondez, bon sang! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que leur est-il arrivé, enfin? Est-ce que les Barracudas répondent? Non! Les Lynchels semblent hors d'usage. Et nos unités? Il semblerait que toutes les voies de communication soient endommagées. C'est sans doute l'œuvre de cette créature. Continuez d'essayer jusqu'à ce qu'ils répondent. À vos ordres. Amiral, général, nos hommes sont au bout du rouleau. Nous devons rassembler les unités restantes et ordonner la retraite. Non, on ne peut pas abandonner Louisois. Général, il n'est plus temps de frapper comme l'éclair. Nous n'avons plus le choix. Cette bataille n'aura ni vainqueur ni vaincu. À présent, nous devons nous préoccuper de sauver autant de vies que possible. Nous allons assurer la protection de Louisois. Mais essayons au moins d'épargner les aventuriers qui se battent bravement dans un conflit qui n'est pas le leur. Annulez toutes les manœuvres en cours des unités du Maelstrom. J'ordonne la retraite générale. Effective immédiatement. Nos unités assureront les arrières. Laissez les aventuriers de l'infanterie spéciale évacuer en priorité. Ordonnez le repli général des immortels. Quoi? Les Lynchels sont hors d'état. Alors va transmettre l'ordre à pied. Et s'entraîner. Cette bataille est terminée. Primordial noir qu'il a engendré. Même ici, je ressens sa présence oppressante et lugubre. Nous allons assurer la protection de Louisois tout en entamant nos manœuvres de retraite. Préparez-vous. Ha 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 ha!
On se retrouve dans notre chambre d'auberge. Donc une longue cinématique qui nous a donné beaucoup d'informations. Alors la première que je n'avais pas mentionnée parce que j'ai oublié de vous dire, simplement le pouvoir de l'écho qui nous permet de voir des événements qui sont passés. Et ce que nous avons vu, c'était les dirigeants lors de la bataille, cette fameuse bataille de Cartenau, où le satellite de la Moon, en gros la grosse boule rouge, a été relâché sur le champ de bataille et a libéré le dragon Bahamut, qui est responsable du 7e fléau, le fameux 7e fléau dont on nous en parle. Bien entendu, les aventuriers qui ont combattu à ce moment-là sont ceux qu'on appelait les guerriers de la lumière qui ont disparu. Un autre nom est apparu, Louise Lois, qui est, alors je vais vous le dire, enfin remarquez si vous regardez la cinématique d'introduction, normalement vous pouvez le deviner, c'est en fait le personnage qui a réussi à vaincre Bahamut. Enfin, vaincre est un grand mot, disons que l'a remis en sommeil d'une certaine manière. Et d'ailleurs, petit spoil, il y a un petit raid, 8 joueurs de niveau 50 qui s'appelle le raid de Bahamut, pas pour rien, et on risque d'en entendre reparler, si un jour on le faisait bien entendu. Parce que lui, le raid de Bahamut, c'est pas sûr. Hein. Il est quand même assez relevé. Donc vous avez pu aussi voir les deux autres dirigeants des deux autres cités-états. Donc l'amiral, dont le nom, j'arrive absolument pas, je ne me souviens pas et j'arrive pas à le prononcer. Et l'oracle, Kaesena, qui est une Pajal, reconnaissable parce qu'elle a deux cornes. Petit détail que j'avais pas remarqué au début, mais effectivement c'est une Pajal. Alors, il faut savoir que c'est l'aîné d'une famille de trois et qu'en gros, les Pajals sont voués à être des mages blancs. C'est l'oracle qui dirige Gridania, c'est-à-dire la personne que vous allez voir à Gridania, l'amiral étant la personne qu'on rencontre à l'Imsa. On va trouver ça, c'est en Océa. La capitale, c'est l'Imsa, le Minsa. Bon, je vais dire l'Imsa tout court, ce sera plus simple. Bref. Et parmi les anciens que nous avions vus, celui qui était devant, dont on a vu les lèvres bouger, qui a parlé, d'ailleurs c'était le seul à parler, c'était Monsieur L. Et je vous l'assure, on va en réentendre parler de ce Gugus. Mais bon, pour l'instant, allons rencontrer Roban au quartier général des Immortels. Alors bien entendu, peu importe la cité-état de départ, la cinématique que vous avez vue, enfin la partie souvenir de l'écho est exactement la même. Alors où est-ce qu'il nous attend? Ah, il attend là-bas. Roban, mon cher Roban, j'arrive. Alors, combien? 45 minutes. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, puisque normalement, la suite... Attendez, c'est quoi? Ah là, c'est l'émissaire. C'est-à-dire que c'est à partir de cette mission que nous aurons accès aux autres cités-états, puisque pour l'instant, on ne peut pas y accéder aux autres. À partir de cette mission, on pourra y accéder, donc bien entendu, que je pourrais... entrer dans les guildes des autres cités-états et avoir tous les rôles possibles, entre guillemets. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous retrouve pour la prochaine partie. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut !